Bien-aimé dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous. Je dis Seigneur, merci de ce que nous avons une opportunité encore au matin pour nous là, la présence libre pour nous capables de partager avec vous lecture, parole, mon Dieu vivant. D'abord, nous allons faire un coup de prière pour nous remettre Seigneur à un moment. Éternel, mon Dieu qui a tout pouvoir, en Jésus-Christ, on fait nous grâce. Nous bénissons, nous nous remercions, Seigneur, aux faveurs imméritées que vous avez. Nous nous remercions, Seigneur, parce que nous dormons, nous levons en bien. Nous nous remercions pour la parole. Nous te remercions pour Jésus-Christ qui t'est monté la croix dans la place nous pour être capable de prier après nous pour permettre que l'homme en général ait accès auprès de vous-même. Père d'amour, nous te remercions pour ça. Mais même moment, Seigneur, que nous remettons par vous. Seigneur Dieu de puissance, tes paroles que nous prenons lire et un petit coup de méditation pour nous capables, Seigneur, aider à lire les paroles là, parce que parole c'est lui-même qui a banni connaissance de vous et qui vous permet de vivre mieux. Mais chaque Seigneur Dieu de puissance, Jacques, vous t'a demandé nous. Nous avons fait assez beau bien lorsque nous connaissons la parole. Mais nous avons béni la parole, béni chaque monde qui a pris le temps de la parole. Et nous avons saisi moi, tout être moi, bouche moi, Seigneur, spécialement l'esprit moi. Et utiliser le Seigneur pour capable de bénir un petit tuyau qui est encore, oh, c'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et dehors, qui peut rentrer dans le pâturage, c'est eux qui cherchent. Et présentement, pour tout ça, tout, qui est entré et qui a besoin d'encourager dans la route là. Mais agis pour nous, Seigneur, matin, parler pour la gloire de ton Seigneur. Nous t'en prions ainsi, au nom de Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs, c'est un plaisir pour nous encore, avec l'amour, chaleur, l'amour, de nous présenter devant vous pour nous capables de partager avec vous la lecture parole de Dieu vivant que nous avons dans Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Tout d'abord, nous avons demandé tout le monde qui arrive à recevoir parole là pour capable abonner avec Chanel Parole de Vie sans frontière là et en plus partager avec tout côté que bénédiction mon Dieu pour et nous remercier déjà tout bien aimé qui était en nécessité pour abonner et cap aider nous partager parole là. Nous connais bénédiction mon Dieu accompagné et cap faire route pour vous. Matthieu chapitre 15. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites: celui qui dira à son père ou à sa mère: ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère.
Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit : Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit : Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent : Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ? Il répondit : Toute plante que n'a pas plantée mon Père sera céleste sera déracinée. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit : Explique-nous cette parabole. Et Jésus dit : Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est rejeté dans les lieux secrets ? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans cesse, laver les mains, cela ne souille point l'homme. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria : Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance : Renvoie-la, car elle crie derrière vous. Il répondit : Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant : Seigneur, secours-moi. Il répondit : Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit : Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elles glorifiaient le Dieu d'Israël. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit : Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Les disciples lui dirent : Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule ? Jésus leur demanda : Combien avez-vous de pain ? 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et, après avoir rendu grâce, il les remplit et les donna à ses disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4 000 hommes, sans les femmes et les enfants. Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la contrée de Magadan. Parole du Seigneur. Que Dieu de son amour ait béni cette portion de l'écriture pour l'édification
de nos âmes. Bien-aimés, frères et sœurs, Matthieu chapitre 15, montrez-nous en tout premier lieu grand monde longtemps te gen coutume comme l'état n'a pas les traditions même nous même dans pays nous toujours parler de nous dire grand monde longtemps te conduit ceci te conduit cela et nous on sait de bagailles que nous a fait et bien c'est grand monde longtemps qui te baille yo. Là nous garder directeur la loi yo avec quelques pharisiens ils étaient sortis de Jérusalem ils étaient allés bon côté Jésus il est arrivé ils posaient Jésus question puis ils demandaient pour qui sa disciple eux même ne vont pas obéir ou bien pas suivre coutume grand monde longtemps garder ils pas laver mais yo avant yo manger. Jésus répond yo pas aux questions tout nous-mêmes qui a parlé pour qui ça n'a plein de désobéir commandement bon Dieu pour nous suivre coutume pas nous bon Dieu te dit respecter papa nous et maman nous et bien il dit si un monde parle mal au tino de papa ou de maman c'est pour yo tuer. Mais nous-mêmes, qui ça nous dit? Nous dit si un monde dit papa ou sinon maman, ça me tague pour m'baoua, mon fil bay bon Dieu. Moun ça pas besoin de faire rien pour papa ou sinon pour maman. C'est comme ça. Avec coutume nous, nous fait parole, bon Dieu. Vin pas vous rien, pas de sens même. Et puis Jésus dit, bon hypocrite, prophète Isaïe, tu as raison, elle te dit, tu es écrit sur nous, il parle de nous. C'est dans la bouche, nous respectons bon Dieu, mais que nous, loin. C'est temps qu'on a perdu, oui. Elle n'a fait service pour moi. Parce que, non, ça y a dit, c'est parole l'homme, n'y a pas montré monde. D'aujourd'hui, c'est presque même bagaille là qui gagne. Parole, bon Dieu, a bien écrit. Donc, il a go, prend Bible là, il met l'instance par yo pour défendre l'intérêt personnel. Il avait dit, ça, bon Dieu, dit à. C'est pas ça y a pensé et comme ça la Bible dit tout quelque part une foule de docteurs selon leur propre désir conscience souillée et ça qui mal monde qui prend position pour dire ça Bible dit à le compte monde ça raison parce que depuis vérité a tombé, mon a connu vérité a, yo pas loué yo dans bluff, yo pas loué yo dans menti. Eh bien, yo fait complot pour ta détruire mon qui choisit pas les vérités. Mais l'éternel grand monde, elle il mette mon pour parler pour lui. L'elle joigne yo, eh bien ou même ou gen doit faire 2000 années à ouais sur ta terre ça. Ou pas arrivé joindre ni. Eh bien, Jésus, l'irrelé, après il finit parler comme ça, l'irrelé, tout le monde qui t'a suivi, qui t'a marché derrière lui, eh bien, pour le dire, tenez bien, ça m'a dit nous là, pour nous bien comprendre, Jésus, ça m'a dit là, ce n'est pas ça qui entre dans la bouche tout qui fait nous pas dans la condition pour nous faire service pour bon Dieu. Mais c'est ça qui sortit en dedans nous. Parce que c'est ça qui sortit dans la bouche nous, c'est lui-même qui fait nous
pas dans condition pour nous faire ça bon Dieu, pour nous faire service pour bon Dieu. Et puis quel disciple qui passe bon côté pour dire ah bah quelque part il dit yoté un petit en offusqué oui. Peut-être ça ou te dit là. Et puis Jésus répond yo si les papa pam qui plante un pied bois, eh bien tôt ou tard l'a déraciné. Si on avec son bon avec que vous êtes, ouais, lorsque vous avez parole bon Dieu, parole là bien ou pas prendre les gens là pour les gens là, bon Dieu, Jésus-Christ considère comme avec et avec, on avec cap conduit, on l'autre avec, j'ai dit tout de ap tombé dans le même tout, d'après ça Matthieu, dit non. Tout de ap tombé dans le même tout. Là, j'ai dit fin dit ça, Pierre prend la parole pour le dire. Expliquez-nous par rapport à ça, non. J'ai dit Pierre, dites-nous même tout, nous ne pouvons pas comprendre toujours. Eh bien, nous ne pas connaître ça que nous mangeons, qui entre dans la bouche là. Et dans votre là après ça j'étais le dehors dans lieu secret dans toilette ça a pas fait monde pas dans condition il pas souiller monde au contraire bagaille qui sorti dans bouche monde c'est dans quel ça sorti c'est bagaille comme ça qui mettait au monde dans condition pour pas qu'à servir mon Dieu c'est dans quel toute mauvaise idée est sorti. Li détruit moun, li fait adultère à tout notre bagay qui pas d'accord avec volonté bon Dieu, tant que li dévole, li fait mentir sou moun, li débay mentir. C'est bagay ça yo qui mette yon moun dans condition pour pas ka servir bon Dieu. Mais question manger sans laver mains, j'en ou dit là, ça pas ka mette yon moun dans condition pour pas servir bon Dieu. Noé il y a plus de donc on lave le monde pour manger bah ça était là depuis longtemps mais vraiment vrai pas laver mais est-ce qu'il va manger à mort donc son vieux coutume je fais donc qui dev quoi qui est un peu raisonnable dans la rue bon on va laver mort etc ou manger mais si on pas manger à mort c'est là qui est fouchette. Donc, vraiment, pas manger. Et même si manger vraiment, et puis là, la paix. Peut-être qu'il y a une petite maladie, si il y a un microbe, mais si on mange vraiment, manger pas le transformer dans l'estomac, et puis la tourner en toilette, et puis on va jeter dans le lieu secret. Mais ça, cap saute en dedans, il vole, adulte, mensonge, fait mentir sur le monde. Hein? Tout le monde, l'idée pour tout le monde. Et cetera, et bien c'est ça yo qui souvient. Et cependant, après ça, vin bay leçon sa, gon fam, moun Canaan, son Cananéen, et bien j'ai eu un contre tir avec Sidon, et puis fam na prele, j'ai dit, mette, gen pitié pour moi, parce que petit fim na, li chargé avec des mots à tourmenter en pile. Jésus pas occupé. Dit Jésus, ou pas ouais, la peut faire bruit dans sort et nous derrière. Donc voyez là les non, font bail pour lui. Et puis femme n'a couru vini, il a gué pied. Il dit maître, c'est couru non. Que pitié pour moi. Mais Jésus il dit non, il pas possible bon prend manger timounyo pour me laguer la tête ba chien. Nous avons commencé à montrer que son chien lié. Donc, il y a des gens qui ont pris ça, ils ont dit ça. Mais, nous avons regardé, la femme a dit, eh, mais maître, c'est vrai, oui, ça dit, ah. Mais ce chien, il a mangé un petit morceau qui est tombé sous table, en bas de table, oui, en bas de table, maître. Oui. J'ai dit, regardez, il dit, madame, fort grand en pile. Ou gen pile la foi. Et mais qu'est-ce que ça fait, Jean, on voulait attendre. Même côté, petit la guérie.
j'ai dû pas même aller non, j'ai dû pas dire rien de guérison, simplement dire à cause du jeune la foi. Eh bien, je dis aujourd'hui, bon Dieu a cherché la foi dans nous. Là, nous avons des paroles, viennent joindre nous. C'est la foi, bon Dieu a téléguidé nous pour faire nous vivre confiance dans la petite vie, pour nous mettre confiance dans mon Dieu, dans la parole là, pour nous capables de sauver, pour nous capables d'échapper en bas l'enfer, en bas lieu terrible, côté qui grince maintenant, manger dans. J'ai dû vouloir épargner nous de ça, bien aimé, frère de Seigneur. Nous, foi d'âme non, tellement grande, malgré Jésus traité de chien, mais elle dit ti chien yo, yo manger, ti manger, ti crasse qui tombe en bas de table yo. Jésus a cherché nous, attendez. Jésus voulait nous guérir la foi. Et après ça, ça Jésus fait, il monte bon là descend bon la mer Galilée et puis il monte son timon et puis il porte. Il porte au pile monde qui malade. Pendant le chita sur Timon, non. Un bon boîte, moun qui aveugle, moun qui bébé, moun qui infime, ensemble avec un pile l'autre monde malade encore, yo mette yo dans pied Jésus. Jésus guéri yo. Fou là, tellement saisi, yo tabay. Le yo we meve sa yo, le yo we miracle sa yo, le yo we, bon bébé ou parle, bon, le yo we, infime yo guéri, le yo we, moun ki t'a bouté ou marché droite les ouais avec yo vinn ouais les ça yo fait louange yo prend fait louange pour bon Dieu Israël là mais bon Dieu Israël là c'est lui même n'a présenté oh chaque matin bon Dieu ba nous possibilité a pour nous connaître lui bon Dieu et pour connaître en Jésus-Christ et Jésus-Christ qui vous bon maintenant bon côté parce que lui dit lui c'est chemin vérité et la vie nul ne vient au père que par moi et bien joindre à Jésus, Jésus seul, parce que c'est le seul qui camine au bas de papa pour joindre guérison ou chercher tant physique que spirituel. Mais délivrance spirituelle là, en tout premier lieu, parce qu'on a besoin de retourner en relation avec bon Dieu. C'est là que nous étions matin. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde, que bon Dieu protège. Père d'amour, nous disons merci. Merci pour ce moment. Merci Seigneur Dieu pour parole. Merci pour la façon que vous parlez par le Saint-Esprit à Matthieu. Mais qui permet aujourd'hui à nous connaître ça qui était fait et nous ouais qui ça nous doit faire et nous obligés pour nous soumettre à volonté. Ça nous, Seigneur, c'est parce que nous sommes choqués pour nous la foi, nous, pour nous capables de mettre confiance dans mon Dieu, pour nous mettre confiance dans Jésus, et bien c'est le Sauveur. Eh bien, Seigneur, nous disons, t'en prie, continue à bénir nous, continue à utiliser nous pour le travail et permettre que chaque monde, chaque Seigneur de Dieu, ça qui arrive à t'en eh bien, vous-même, vous va faire ça qui est essentiel là, Papa bon Dieu, ça qui peut accepter pour être capable de soumettre à volonté et au pas soumettre à parole, remettre Jésus, reste la vie, pour être capable de pardon pour pécher et pour être capable de sauver. Et si là, qui déjà, en bas là, nous allons continuer à faire au grain. Puis aurait été ferme jusqu'à là-bas. Parce qu'on dit, celui-là qui persévère jusqu'à la fin, c'est eux-mêmes qui va sauver. Eh bien, restez avec nous pour sa père. Et tant pis, nous ne pas oublier pays nous, pays d'Haïti. En plus, les paroles à parler là-dedans. En plus, l'insécurité a monté, tout bon, pas bon. Une phase de choucaille a passé à certains dieux. Eh bien, tout ça, papa, nous ne pouvons pas sauter. Nous connaissons. Ou que contrôle tout bagaille, agir pour le pays, ou que nous capables de faire loin pour vous. Même genre que full monde ça, je te fais loin pour vous, bon Dieu Israël là. Mais lorsque tu vois miracle, merveille, que tu as accompli, c'est même bon Dieu là, même bon Dieu je dis, et qu'après tu même bon Dieu demain. Mais Seigneur, agis en ton pouvoir pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. Les mêmes capes, qui règne pour tout le temps et pour tout le temps. Amen. Allez, fais bien, autant qu'on est capable, et continuez à prier pour le pays. Continuez à prier pour le pays. Et, pas oublier, tout le monde qui reçoit la parole, qui peut vous abonner. Et nous demandons, abonnez avec Chanel, parole de vie sans frontières là. Et comme ça, partagez-la avec les hommes. La bénédiction de Dieu va pour vous. Il en soit ainsi, au nom de Jésus. Bonne journée.
dans le nom précieux de Jésus. Amen.